Ça y est, la journée commence. Je m'installe au canal, je veux du silence, du calme, des vacances. Mon besoin de repos est immense, j'ai mal au crâne. L'impression de sentir mon cerveau qui crame. Faut dire hier, j'ai plus trop de verre, trop de calme, j'ai sniffé trop de grammes. Et pourquoi donc se droguer? On est de plus en plus à le faire. Qu'est-ce qui nous pousse à nous détruire, à nous foutre en l'air? Intéressant, de plus en plus d'adolescents, on la crasse dans le sang. Comme pour fuir un monde qui devient de plus en plus oppressant. Est-ce la faute à la ville, à la télé, à l'isolement que procure internet? Sur cette réflexion, j'ouvre ma première canette. Je vois quelques gorgées me rapprochent déjà de ma planète. Celle des gens paumés sonnés, celle des personnes qu'on dit pas nettes. Tout seul j'arrache une feuille, je prends un bic et j'écris. Ça m'aide à faire le tri, comme un croyant qui prie. Ça m'aide à m'exprimer aussi, comme un enfant qui crie. Ça m'aide à y voir plus clair, comme un phare, comme une toile qui brille. À chacun ses croyances et ses valeurs spirituelles. Moi c'est la cam et la musique, c'est comme un rituel. C'est habituel, c'est presque sexuel. La musique c'est ma vie actuelle. Elle et moi, elle partageons une passion mutuelle. C'est comme ça, je suis comme ça, j'ai toujours voulu foncer. Me défoncer, me casser la tête pour arrêter de penser. Monter, j'en suis pas fier, je me casse la santé. Un jour je vais me planter, mais la drogue m'a toujours tenté. C'est ma manière à moi de vaincre la monotonie. Car mes élans de folie sabotent l'ennui et la mélancolie. Dans ma vie, je veux pas juste être normal et poli. Je veux de l'aventure, des imprévus, de l'action et de la folie. La folie, celle qui dépasse la raison, qui veut te condamner. Celle qui permet d'être spontané, d'être et de faire ce que t'osais pas durant tant d'années. Faut se lâcher à un moment donné. Permets-toi de t'emballer dans tes pétages de plomb momentanés. Qu'est-ce qui nous retient? Mais qu'est-ce qui nous maintient dans ce quotidien détestable? Qu'est-ce qui étouffe nos besoins d'aventure en faveur d'une vie plus stable? Est-ce la peur? La peur de la différence? La peur de déranger? Est-ce l'envie de faire comme les autres qui te poussent à ne rien changer? La vie passe, le temps passe et ça peut donner le vertige. Particulièrement si t'as plein de regrets quand t'as 30 piges. J'espère que tu piges, tu comprends à quel point vaut mieux risquer de tout perdre plutôt que de ne rien faire et de te sentir comme une merde. Faut que tu te démerdes pour sortir de ton cocon. Y crever d'ennui serait trop con. Te résigne pas un boulot, un appart et un gros ton. Nous les hommes sommes ainsi, c'est l'aventure que nous traquons pour qui nous craquons. Alors il va toi, sois un homme, un lion, un dragon. Je peux parler bien sûr, moi aussi je fais du surplace. Y'a rien qui se passe, en moi-même ça bouillonne et bientôt je me casse. J'ai le projet de voyager comme un enragé, bientôt je ne trace. C'est sûr, je suis amoureux de l'aventure et bientôt je l'embrasse.